Yo les amis, bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien, on va se retrouver pour Fut Champion. J'ai pas du tout mis le fond vert, du coup ça fait un truc vraiment dégueulasse, ne bougez pas. Hop, on va faire ça vite fait. Évidemment que sans le fond vert, ça gâche un peu tout les gars, ça gâche un peu tout. On fait ça directement, clac, voilà, magnifique. J'espère que tout le monde va bien les gars. Tu penses quoi de la tactique 4-3-1-2 pas mal, honnêtement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est plutôt pas mal. On était donc dans la première, enfin dans la dernière partie du live, les gars, on va faire tout simplement 5 matchs pour finir, 6 matchs, pardon. Ça va être très compliqué, comme vous le voyez, on est en 15-9, vraiment catastrophique. J'ai décidé de changer d'équipe pour ça, je vous remets juste sur ce menu-là, le temps de changer la musique, vous m'entendez toujours. Ne vous inquiétez pas, clac. Voilà, j'ai baissé le son de la musique pour moi parce que c'était insupportable. Les amis, du coup, ce qui se passe, on est en 15-9. Ça a été horrible, ce Fut Champion, c'est un des plus durs que j'ai fait depuis le début. Vraiment horrible. On va changer l'équipe, on est sur Twitch et YouTube en même temps, les gars, comme d'habitude. On a changé l'équipe, je vais vous présenter ça. Et on va faire ces 6 derniers matchs tout simplement. Là, on va pas. On va pas chercher les 20 victoires. On va chercher tout simplement les 17, hein, je pense. Parce que là, ça va être très compliqué. Alors, on va tenter les 20, mais ça va quand même être très compliqué. La nouvelle équipe, les gars. On a mis Romarinho sur le banc. Petro, c'est ça. Devant, on a Jimmy Vardy. Jimmy Vardy qu'on a eu en invendable, les gars. Qu'on a eu dans le pack Tots, première ligue garantie, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Je change en gros, j'ai besoin de tout changer pour me dire, il va falloir un déclic et aller chercher cette 20e victoire. On a remis Sancho titulaire, on a mis Mounts qui va jouer ailier droit ou ailier gauche, peu importe. Bon joueur, normalement sur le papier en tout cas, ça a l'air d'être assez impressionnant. On va voir ce que ça va donner une game. De l'autre côté, on a Tielemans, bien sûr, qui va jouer au milieu de terrain avec Makelele. La défense n'a pas trop changé, on a juste récupéré un Runs. Et on a mis Kent, parce que, tout simplement, il aura 6 de collectif, mais le fait qu'il ait 5 étoiles de mauvais pied peut nous assurer quelque chose de pas mal. Donc voilà. Et en plus, il joue à Leicester. Il joue en Angleterre, donc ça faisait le lien avec Jimmy Vardy, c'est impeccable. J'espère que tout le monde va bien, les gars. J'ai pas trop vu tous les messages du début. J'avoue que j'ai pensé à toi en voyant la carte de Coutinho. Il dit en plus il joue à Leicester. Yo, salut Blacko. Salut à tous les amis, salut à tous. On est parti du coup. On est parti pour ce premier match. Et puis bah on va tenter l'exploit. Hein. On va tenter l'exploit. On commence à avoir l'habitude le dimanche soir les gars. Mais c'est vrai que cette semaine c'était très compliqué. J'ai perdu des matchs nuls. J'ai perdu 4 fois au tir au but. Sur 4, évidemment. Les équipes sont assez monstrueuses. Bah ça se voit encore là. Hein. Par exemple, on a encore un exemple d'équipe monstrueuse. C'est vrai que c'est très compliqué. Laco ne suit pas trop aujourd'hui. Laco ne suit pas trop. Les équipes ne suivent pas trop non plus. Et bah voilà, c'est compliqué. Bah non, Kent il a 10 de colle. Non, il a que 6, Benouz. Il joue pas ailier gauche. Hein. Il joue ailier droit. Allez, c'est parti. J'espère que j'ai bien fait la tactique. J'ai même pas vérifié. On a changé d'équipe, mais j'ai même pas vérifié la tactique. Allez, justement, le Kent, on en parlait. Allez, dommage. Allez, les gars, il va falloir être bon dès le début, dès le premier match. On a le droit à une seule erreur. Ça va vraiment être compliqué. Allez, Sancho, Vardy. Premier ballon pour Vardy. Et Kent. Kent, magnifique! Le sombrero, les gars. On a fait le geste qu'il fallait. Il est magnifique. On va pas se mytho, le geste technique. Il était super bien réalisé. Du coup, Kent, je l'ai mis en pointe pour son 5 étoiles de mauvais pied, vraiment. Je veux Barnes, mais Barnes, c'est trop cher pour l'instant. C'est trop cher, 750 000. Oh là là, Kent. Dommage, putain de merde, le défenseur qui l'intercepte. Allez, bon courage, warrior. Merci à tous, les gars, merci à tous. Raoul, très fort, je les teste. Je vais faire les vidéos, les gars, sur les icônes, le saison et tout. Pour l'instant, on reste concentré sur Futchamp. On tournera ça demain ou mardi. Faut au moins aller chercher les 17. Et après tenter les 20. Hein. Franchement, je serais dégoûté de faire un échec. Parce qu'en plus, dans le jeu, j'ai vraiment plutôt bien joué.
Même les défaites en live, honnêtement, bon, il y en a 4 au tir au but. Mais en vrai, on a plutôt bien joué. On a affronté des équipes de dingue, on est revenu au score pas mal de fois. On n'a pas abandonné si facilement. Donc dans le jeu, on a plutôt été présent. Après, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Yes, la boulette. Bien joué, Areola. Ah oui, on a mis Areola dans les buts aussi à la place de Pop régulard. Si en fait Pop il est super fort, mais j'ai l'impression que c'est quand il veut quoi. C'est quand lui il décide. Allez, Jamie Vardy. Ça nous laisse l'occasion aussi de tester Vardy, hein, c'est pas mal. Hein. Pas de faute là-dessus, ok. Son 99 d'agressivité, normalement il devrait faire du bien. Allez, Fofana, c'est propre. Makelele, Mounz. Je compte pas mal sur lui là justement sur Moon pour faire des diffs sur le côté, chose que l'autre il faisait pas là. Salem faisait pas trop de diffs. En fait oui il faisait des diffs mais uniquement sur la pure vitesse et c'est tout. Oh Vardy. Oh Vardy. Oh Vardy, c'est magnifique. C'est magnifique, allez. Allez, allez, allez. La défense auto c'est infernal, certains joueurs ne jouent que comme ça. Bien sûr, Kavi, bien sûr. Les trois quarts des joueurs même ne jouent que comme ça. Et Kent, on l'a vu au deuxième, Vardy. Oh là là, dommage. L'arrêt d'Ederson, il est incroyable. Salut à tous les amis, salut à tous, bienvenue sur le stream. Six derniers matchs les gars, c'est seulement le premier là. Mauvais ratio, il faut sauver ça. Il faut sauver le soldat warrior. Bien joué, le coup franc. Et Mount. Tu vas pouvoir nous montrer son talent là. Bien joueur dans les buts, c'est pas grave, on l'attend quand même. Allez, ça va plein lucarne. Ouh, ça en prenait la direction quand même. Ça en prenait la direction quand même de la lucarne. On va avoir une deuxième chance. Il était bien tiré le premier. Il était très bien tiré. Deuxième tentative. Moins bien tiré. Allez, tranquille, Fofana. Dommage. 2-0 pour l'instant. Il nous a pas trop mis en danger, mais il suffit d'un bon contre et le 2-1, et voilà, le match il change entièrement. On peut se méfier. Aaron, bien joué. Super, Aaron. Allez, Sancho. Allez, mon petit. Vient derrière, tranquille, on fait tourner ce ballon. Vardy, Kent. Bien joué. Super! Et Kent, c'est bon ça, c'est bon. Impeccable, les amis. Allez. À la meute, le pro, permis d'améliorer grave mon jeu. Merci à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avoue, les gars, on essaye d'être masse concentré pour sauver pour sauver ce jump. Vous inquiétez pas, il y a des modos pour tout ce qui est question et tout. Les trois quarts du temps, ils savent ce que je vais répondre. Eh bien, je vais Kent. Pour Mount. Oh là là. Oh, ce crack! Ce crack impeccable! Moi, je n'arrive plus à faire des passes de tir. Tous mes joueurs sont devenus des bronzes alors que j'ai une connexion forte. Les serveurs, les gars, sont vraiment dégueulasses. Hein. Les serveurs sont vraiment dégueulasses. LPB du 77. Salut, quand revendre Ronaldo régulard? En vrai, maintenant les prix vont faire que de baisser, les gars. Donc, il faut le vendre quoi qu'il arrive maintenant, quoi, ou jamais. Soit maintenant, soit jamais, en fait. Tu pourras pas en gagner des énormes thunes, quoi. C'est la fin du game, les gars, pour le marché des transferts. Ça va être très compliqué maintenant de gagner beaucoup d'argent. Bon, là, c'est le Brésilien de l'île Saoudi. Bon, faut pas faire ses renforts, quoi. C'est pas très intéressant. Salut, tu peux attendre jeudi, mais c'est déjà un peu tard. Allez les gars, première victoire. Mount qui nous a régalé là. J'essaye de répondre au plus de messages possible les gars. Papy Venouz, il faut aller dormir, ça commence bien, il a l'air énorme en plus.
J'avoue, j'ai pensé à toi en voyant la carte, tout ça, j'ai répondu. Choisis, je dirais, tu m'as permis d'améliorer grave mon jeu, merci à toi. Merci beaucoup, Franck, hein. Merci beaucoup, Franck. C'est très gentil. Hein. On est là, les gars, on essaye, tu es d'où, Normandie? Allez. On a lâché Sa Majesté Gomis pour faire la mission sauvetage, là. Du coup, si ça se passe bien avec cette équipe, c'est peut-être celle qu'on aura la semaine prochaine, tout simplement, sauf si on arrive à... Si on arrive à avoir Barnes, mais la seule solution ce serait tous mes Mertens Park, qu'on ait des bons récompenses et tout, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que ce serait cool d'avoir Barnes et de finir de faire un Fut-Champ avec cette équipe-là. Ouïe aïe aïe. Ouïe aïe aïe. Grosse team là. Grosse team. Tu vas faire Coutinho? Non, je vais pas faire Coutinho, les gars. Y a pas énormément d'intérêt pour moi. En vrai, je jouerais avec un 10, je l'aurais fait direct Coutinho, mais c'est pas le cas. Et en ailier, je trouve que c'est un peu léger. Oh, il aurait pu avoir une petite faute. Allez, Vardy, est-ce que t'es bon de la tête? C'est le moment de le savoir. Ouais, le corner a été dégueulasse aussi. Pour le coup, le corner a été dégueulasse. Sancho, magnifique. On le connaît. Bon courage, mais je pense que tu auras plus de chance avec la récompense Fut-Champ si tu fais hors de mini. Coutinho, AMC, à la limite, pourquoi pas? Ouais, non, c'est fragile. Faut des stats défensifs quand même. Le but, c'est d'avoir un équilibre dans l'équipe, les gars. Aaron, putain, il répond présent. Hein. Il répond présent. Attention, attention. Oh, magnifique, bien joué. Bien joué à lui, l'égalisation directe. Ça va être dur, hein. Tous les matchs vont être durs. Romarinho est très bon, les gars. Il est très très bon. J'ai fini Isaac en BU dans un système à deux attaquants. Kuti chez moi, il est BU. En BU, il est fort. Allez. David Neres, il fait mal, hein. Il fait mal depuis sa sortie, il est quasiment dans toutes les équipes. Il fait quand même pas mal de dégâts. Dommage, dommage. Ça aurait pu. Il faut le stopper. Bien joué, Cannavaro. C'est propre. C'est très propre. Makelele, Tielemans. Vardy, ok, nickel. Nickel. Ah, dommage, on se fait stopper. Il y a une grosse équipe en face. Hein. Très grosse équipe. Va falloir s'accrocher quand même. Ah, c'est passé ça? C'était passé ça, ok. Pas de problème. Aaron, ça qui nous a fait une montée ravageuse. On est obligé de lui donner le ballon limite. Il a fait un tel appel, j'étais obligé de lui donner. Il va être dur à battre. Il va être très dur à battre. Allez, on va essayer de calmer un peu le jeu. Parce que là, on se fait endormir. Putain, Campbell, il me récupère tout depuis tout à l'heure. Le relou, lui. Le relou de service. Eh, Fofana. Yes, t'es nul. C'est rien. Tranquille. On récupère Pénard. Tielemans. Tielemans, décevant, les gars. Décevant. Je sais pas si certains l'ont fait, mais... C'est moins ouf que ce qu'on pouvait s'attendre, quoi. Par rapport à l'année dernière, la carte qu'il a eue l'année dernière, c'est plutôt décevant. Vardy pour l'instant. C'est pas dingue non plus, mais c'est le début. Ça va, oh. Il est bon l'adversaire, il est bon, ça va être très compliqué comme match.
Ça va vraiment être compliqué. Oh là 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 là, Campbell encore. Encore le Campbell qui intervient. Le casse-couille. Canavaro, tranquille. Tielman, bien joué ça. Bien joué ça. Allez, peut-être. Oh, arrêtez, oh. Il est dans mon dos, il arrive à l'avoir. Oula, je passe à côté de tous les ballons, ça craint. Encore une fois. Un joli Canavaro, allez. Putain, mais Campbell, il récupère tous les ballons. C'est impressionnant. Compte favorable. Il nous marche dessus pour l'instant. Le contrôle! Ah, le contrôle juste devant les buts! Ah, le truc de chien! J'arrive enfin à avoir une grosse occasion et le contrôle est complètement raté! C'était quoi ce délire du contrôle là? Horrible! Horrible, putain, je suis deg. Aïe aïe aïe. Gros, j'ai pas que Maradona Prime Moment trouve de ouf. Bien joué, Kevin. Bien joué à toi. T'as avec un drop de bas, bon finisseur, ça doit être sympa. Même d'ailleurs, au moment où tu dis Kelman, c'est nul. Oui, drop de bas PM, je regrette pas d'avoir fait le SBC. Il ramasse tout de la tête. Pire que CR7, est plutôt bon dribbleur pour sa taille. Allez. Salut, on est rien, comment ça va? Salut Willem. Match compliqué pour l'instant, on se fait un peu marcher dessus. Ça va être compliqué de sauver ce futchump, les gars. Oh, on a la possession, on a tout, mais... Le ballon est plus souvent devant. Putain, c'est dommage quand même. Vardy qui a raté ce contrôle, là. Seul devant les buts. Oh là 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 là. Aaron, lui, par contre, il répond présent pour l'instant. Il répond présent de dingue. Zola 87 est bon ou pas, Warrior? De base, il est très bon, mais là, il commence à être dépassé, je pense. Zola 87. Putain, ce contrôle, quand même. Qui a capté, là, le contrôle? C'est horrible. C'est horrible. Tout seul devant les buts, quoi. Tout seul devant les buts, il a foiré. On a du remplaçant, je vous le dis. Romarinho, Sarr et l'autre là, le MDC de MBS, c'est pas mal. On n'arrive pas à franchir sa défense. Hein. On n'y arrive pas. Un tir à la mi-temps, je rappelle. Il n'y a pas un jeu. Si, un jeu. Si, un jeu. Allez, allez, allez. Non, je l'ai vu qu'après. Il est imbougeable son Campbell. T'as Campbell, t'as Vieira au milieu de terrain et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur de le passer cet adversaire. Eh bien joué. Eh bien joué à lui. Aïe 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 aïe. Petros, t'as fait le SBC. Ouais, c'est ça, Petros. Ouais. Bon bah. On se dirige vers une défaite. Hein.
Après, offensivement, on lui a rien fait, quoi. Ah, mais il joue à 5 défenseurs. Ok. Ah, je sais pas s'il joue à 5 défenseurs, en fait. Sancho! Allez! On est là! On est là! Dalglish est trop fort, bien sûr. Depuis qu'il est arrivé dans le jeu, les gars, il est trop fort. Un joli Mount. Putain, Vardy, pour l'instant, c'est décevant. Hein. En vrai, je voulais faire une équipe autour de lui. Pour l'instant, je suis un peu déçu. Il y a par contre les comptes favorables. Ça a l'air d'être un bon soir pour en manger pas mal, les comptes favorables. Hein. C'est ouf. Ouais, Vardy, du coup, ah non, on va devoir sortir Kent. Romarinho, Sarr. On va quand même sortir Vardy. Tillman, on va mettre Petros, allez. Il est nul, Vardy, je l'ai eu de mon côté garanti. Vardy, c'est un renard, Pipo en plus rapide. Pipo en plus rapide. Horrible, horrible ce que j'ai fait, il n'y avait rien de prévu là-dedans. Putain. Mais c'est pas possible. Ok. Petros qui a récupéré un bon ballon là. Un ballon important. Romarinho! Honnêtement, quand on a viré l'équipe MBS avec Gomis et tout là, Romarinho, j'étais dégoûté un peu de laisser partir. Il a des faiblesses, hein, il a des faiblesses. Mais quand même, sur le terrain, il est important. Vardy pas aimé du tout non plus. Ouais, je comprends les gars, je comprends. Honnêtement, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. C'est à dire aussi ce week-end une horreur. Je sais, Gaëtan, je sais pour tout le monde, mais c'est grave galère. C'est galère ce week-end. Après, honnêtement, si on arrive à faire 17, vu le peu de chance qu'on a eu, je dirais que c'est pas mal. Mais je veux taper les 20, quoi. On n'a jamais fait en dessous de 20 à part une fois. Je veux taper les 20. Pour moi, c'est la base, les 20. Je serais très déçu si je les avais pas, quoi. Après, le niveau des équipes est fou, je vous jure. J'ai pris des photos de certaines équipes que j'ai affrontées, c'est incroyable. On tape dans des 30, 35 millions de budget. Et ça arriverait qu'une fois encore. Mais là, c'est si tu rencontres ça 10, 15 fois par Futchum, quoi. C'est horrible. What? Mais pourquoi il a pas fait la passe? Oh, bah il part tout seul. Oh, bien joué. Putain, mais Matelele, il a bugué là ou quoi? Allez, ça, va tuer ça. Va tuer le game. Putain. C'est chaud, hein. C'est chaud de le tenir, les mecs. Il joue quand même. Gros pressing. J'ai eu peur du compte favorable. J'ai eu très peur du compte favorable. Allez. On pose. On pose. On accélère. Allez. Oh, Romarinho, il aurait pu le mettre. Allez, t'as un décès pour remplacer Gomez des épées, j'en peux plus. Tout dépend de ton budget. Golson, en vrai. Golson, c'est un crack. Bah, monsieur arbitre, ouais, voilà. Donne ma spécialité, les tirs au but. J'en mets un à peu près tous les 25 matchs. Fais-moi confiance. Allez.
Un match, j'ai mis pause à 4-1, mais le match continuait derrière le menu. Le mec est remonté à 4-3. Ah ouais, il est horrible ce bug. Il est horrible ce bug. Boum! Impeccable! Tire dans l'axe. Je suis pas une catin. Je tire pas dans l'axe. On est où là? 4-2, allez. Boum! Petros, il fait trop du bien. Romarinho-Petros, c'est un duo que je dois laisser sur le terrain. C'est 100 fois plus fort que Tielemans et Vardy en vrai. Ça, en remplaçant, qu'est-ce qui fait du bien aussi, c'est ouf. Regardez-moi ça, ce crack. On obtient un corner. On obtient un corner. On va le tirer à 2. Je vais faire un geste technique avec Sancho qui sera pas ouf. Yes. Tout mon plan est tombé à l'eau. Il a raté la passe sur un joueur qui était juste à côté. Oh, bien joué ça, le petit geste là. Dommage. Sancho, bien joué. Encore? Bien joué encore? Il jouait bien quand même l'adversaire. En vrai, il jouait super bien devant. Son RS et son Dadlish, ils nous ont bien bien fait mal quand même. Ah, dommage. C'est fini, les gars. C'est fini. On passe à 17. C'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Allez, 17. 3 victoires, les gars, pour une défaite. Pour sauver ça. Pour sauver ça. Qu'est-ce que tu marques? Roulement de tambour. Ah, ok. Ça marche souvent, bien évidemment que ça marche souvent, mais les tout droits aussi, ça marche souvent, j'en fais pas pour autant. Allez, allez, allez. Ah, voilà, largement dominé. 4 tirs à 9, on a la possession, on a tout. On est en place. On était bien en place. Du coup, ouais, Vardy, c'est grave décevant. Romarinho, les gars. Bon, là, prenez en compte qu'il vient de perdre 2 matchs, mais 25 buts, 42 passes décisives. 25 matchs, 42 buts, 31 passes D. C'est énorme, hein. C'est énorme. Et Gomis, ça va à peu près les mêmes stats. Et c'est vrai que Gomis, niveau vitesse et tout, ça peut être compliqué. Mais Vardy, je trouve, il y a un problème. Pourtant, niveau stats, c'est assez impressionnant. Finition 99. Après, c'est vrai qu'il tire pas beaucoup pour l'instant. On va voir, on va voir. Moi, j'arrive plus avec Neymar. Il me casse les couilles. Vardy, je teste. J'aime pas. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas Vardy, les gars. Par contre, Moon, pour l'instant, il a été excellent. Il a été excellent sur son côté. Tout ce que je lui ai demandé, il l'a bien fait. Il a bien récupéré les ballons. Oh, on va affronter Coutinho, Cantona, Modric, Renato Sanchez, Cancelo, Laporte, Koundé. Pas mal, hein, grosse team. Grosse, grosse team. Très grosse équipe. Ils ont nerf Neymar, les gars. Coutinho le mange. Allez, c'est parti. Allez, on monte d'un cran, les gars, si vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez pas jouer, vous le dites. Il m'a laissé avancer et je tire. Hein. Dommage. J'ai tenté peut-être trop compliqué, là, le coup du sombrero. Allez, Coutinho, c'est stoppé. J'ai pas réussi mon geste. Dommage. Dommage, dommage. Petit compte favorable. Oh, ça va. Heureusement, après, il se précipite parce que compte favorable, il aurait pu mettre dans la sauce quand même.
Eh Vardy, montre que tu sers à quelque chose. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Salut Nissa, comment ça va? Eh hey, Tielemans. Putain. Normalement les frappes de loin ils sont censés être excellents. Pas normal qu'ils ratent ça. Allez, deuxième tentative. Tielemans. Personne, personne passe devant. Trop de cases ratées là. Le contre il peut faire mal. Ça va frérot. Et pas con à ce point-là non plus. Mounz peut-être. Dommage, personne coupe. Il y a des problèmes de placement là. Il y a des problèmes de placement dans cette équipe. Oh, il l'a pas. Bon, Tielemans, les gars, il va pas. Il va pas durer très longtemps dans cette équipe. Dommage, bien vu. C'était pas mal. Dommage. Arons, il est excellent, putain. Diaz, je lui ai en carte rouge, je l'ai viré. Il est excellent. Il récupère plein de ballons depuis tout à l'heure. Magnifique, Mendy. Tielemans. Allez. Essayez de sortir propre. Allez, Sancho, on a vu Vardy. On a vu Vardy. Allez mon petit. Voilà. C'est Ken, c'est même pas Vardy, c'est pas grave. Tielemans, c'est KDB de Wish. Exactement, exactement. C'est incroyable. J'aurais désolé, petit souci de co, pas de problème. Si de recommencer l'année prochaine, Nissa, c'est vraiment trop tard pour commencer. Les gars, vous avez pas un conseil pour bien commencer Ultimate Team? Là en vrai, mis à part si tu mets de l'argent, honnêtement, ça vaut pas le coup de commencer maintenant. Et mettre de l'argent sachant que le jeu va s'arrêter dans 3 mois. Franchement, c'est très dur de commencer Ultimate maintenant. Je pense si tu commences FIFA, massacre le jeu en saison et prépare-toi pour l'année prochaine, quoi. Parce que là, en vrai, tu lances Ultimate maintenant, tu vas te faire éclater tout le temps. Il n'y aura aucun plaisir. Wesh, mais c'est quoi ça? Bizarrement, après long goal, c'est injouable. C'est un truc de ouf. Dès que tu mets un but, Langol, tes joueurs, ils savent plus quoi faire, ils sont perdus. Oh yes, oh magnifique. Ça y est, il s'est métamorphosé. On a mis le 1-0, il s'est métamorphosé après le mec. C'était pas pour lui, évidemment. C'était pour Sancho. Allez, montez! Oh là là! Tu sont niants, ma parole! Ah, le groupe vit bien. Hein. Le groupe vit bien. Il n'y en a pas un qui monte, qui fait les efforts pour les autres. C'est un groupe sympa, ça. Hein. Ça se bat pour l'équipe. Oh, le compte favorable. Bien joué, Rola. Coutinho qui arrive à avoir un compte favorable. On va me dire que c'est un monstre de puissance, le mec, ou quoi? Par contre, si on n'a pas compris qu'il aimait le double R1, on comprendra jamais, quoi. Chaque ballon, c'est ça. Y a pas faute. Merci beaucoup pour le follow. T'as la PS5, série S, les gars. En fait, Coutinho, niveau puissance, ça équivaut à Zlatan. Ça équivaut à Zlatan, tu l'approches, il gagne le duel à l'épaule. C'est incroyable. C'est incroyable, non? À l'épaule, il gagne tous les duels. Tout à l'heure, il a eu le compte favorable. Là, il m'a poussé à l'épaule. Contre Fofana. Le mec, c'est Zlatan, en fait. Faut m'expliquer comment il gagne ces duels-là à l'épaule.
Il est encore contre favorable, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a tous les comptes favorables. Il me défonce à l'épaule et tout, c'est incroyable. Allez, tu fais comment pour avoir une étude si tu projettes autant vers l'avant? Je sais pas, je sais pas. Salut Mohamed, ça va, tranquille. Je le vois pas dans le chat, le follow. C'est... Ah, ok. Ça a déjà été ban, je pense. Ça a déjà été ban par le bot, je pense. Si tu voyais le pseudo, ça serait déjà viré. Allez. Ça va être dur. Ça va être très dur. En vrai, il joue bien, mais c'est dommage qu'il ait été aidé autant. C'est clairement là le premier but, c'est un cadeau. Et le deuxième, le vieux compte favorable là, et Coutinho après qui me vire à l'épaule. Il a encore. Aïe 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 aïe. Il a encore eu le compte favorable. Ça fait 3, hein. 3 magnifiques buts. En vrai, l'adversaire il est bon, c'est ça le pire. C'est il est bon, mais c'est gâché par ça quoi en fait. Ça passe à côté, allez. Dans ce jeu, faut jouer détendu comme jamais, sinon tu craques. Ah, mais là, c'est pas une question d'étendue, les gars. C'est juste, il faut être lucide. Hein. Faut être lucide. Hein. Il a clairement eu un gros coup de pouce là sur les 3 buts. Voilà, hein. Si on le voit pas, c'est de l'aveuglement. Là, j'y peux rien. Hein. Après, c'est pas grave. Hein. Moi aussi, des fois, j'ai des coups de pouce. C'est comme ça. Hein. Non mais... C'est pas grave là, là encore ça doit être mental là. Son joueur n'avait pas encore eu compte favorable, c'est psychologique. Alors c'était pas du tout pour lui à la base, mais on va en profiter quand même. Merci beaucoup Tocol, merci beaucoup pour le follow. 3 buts purement footballistiques, exactement. Mais comme celui-là, tiens, un bon tout droit des familles. Il est bon en plus parce qu'en vrai je visais Thielmann sur le côté, ça l'a envoyé direct à Mounz. Ça prouve la qualité du match. Ça prouve la qualité du match. J'ose même plus aller au duel parce que si je vais au duel, le compte favorable me sort du truc. À chaque fois que je vais au duel, il a le contre et ça y revient dessus. Regardez ça! Je vous le dis, je peux même pas aller au duel. En vrai, je suis obligé d'essayer d'intercepter la passe à tout prix, quoi. Si je vais au duel, c'est mort, c'est perdu. Enlève-toi, Vardy, fais pas ta chochotte. À changer de joueur, c'est pas grave. Oh, s'y attendez pas. Non. Allez. Non, Vardy, mais s'il te plaît! Aïe, aïe, aïe! Putain! C'est dur, hein. Ça va être très dur. Seulement en Fulham, j'avais la flemme. Bon, première attitude de Coutinho en Chum, 3 buts. Monte impeccable ici aussi, ça peut paraître fou, mais j'aime bien Rodri. Moi, c'est un aimant à ballon, par contre, faut pas lui demander de faire un passement de jambe. Salut, yo yo yo, comment ça va?
Dommage, putain. Dommage, Vardy. Mais décidément, Vardy, quelle déception de fou. Quelle déception. Ça sent le mec qui va partir dans un tot garanti, là. Il va retourner à sa place, bien au chaud. Ouais, ça a été masse contre favorable tout le match. Hein. Il a mis 3 buts sur des comptes favorables, ça continue là. C'est horrible. Regardez ça, ça lui revient encore dessus. Là, c'est abusé. C'est abusé. Je rigole, mais ça me fait tellement pas rire. C'est abusé de fou. Croirez, le jeu, il pousse. Il fait vas-y, paire, 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 paire. Pas de coup franc, rien. Yes. Oh! Oh, c'est abusé! Oh, l'obstruction de malade! Mais vas-y, ce match, je suis maudit! Allez, c'est bon! Donnez-lui, on ne parle plus! Oh, c'est abusé! Voilà, Romarinho, allez! Putain! Et c'est incroyable comment il est truqué ce truc! Comment il est truqué ce match de merde! Bien Tielemans, non, Tielemans, c'est gars. Non, non, c'est abusé. C'est abusé. Putain, 3 buts en compte favorable! Il a tout depuis le début, c'est abusé! Je vais pas en avoir un. Je vais pas en avoir un, malheureux contre. Il a fait que doubler un. Ah, Romarinho, on s'en sert comme sauveur là. Il faut qu'il nous sauve là. Oh, il a redonné dans les pieds. Il a redonné dans les pieds. C'est pas fait exprès la passe au gardien, évidemment. Je pense que tout le monde l'a vu. Oh, double R1. C'est fou. Quelle surprise. Il joue les prolongues, l'enfoiré. Il joue les prolongues. Putain. Ah, je suis deg parce que ces 3 buts ils sont éclatés. Vraiment, ça met les nerfs. C'est vraiment typiquement le genre de match. Il me fait sortir du fou. 3 buts sur un compte favorable. Coutinho aussi puissant que Zlatan. C'est pas possible. C'est pas possible. Et derrière, moi, j'ai pas de cul. Il y a un péno qui est pas sifflé. Il y a des dingueries de fou. Dommage, dommage, dommage. Allez, on se remet dedans. On oublie. Merci beaucoup, les gars, pour tous ceux qui se follow. Merci beaucoup sur YouTube si vous lâchez les petits pouces bleus. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Merci énormément. J'ai stop hors 2 perso, ouais, je te comprends. Je vais le faire, t'inquiète. C'est dur, hein. Les prolongations, j'en gagne pas souvent, les gars. J'en gagne pas souvent. Et souvent, les prolongations sur ce jeu, soit c'est hyper serré, tu vas au péno et tu perds. Soit c'est horrible. Soit c'est horrible et tu vas te prendre 3-4 buts en prolongation, quoi. T'es un tueur de canard, pourquoi je suis un tueur de canard?
C'était pas pour lui, c'est pas grave. Eh bien, j'ai. Là, cette fois, ça sent la fin. Pour le coup, c'est son premier but clair et net, quoi. Il n'y a pas de bavure. Eh, Sancho, peut-être un miracle? Non. Il n'y aura pas de miracle. Il est relou à faire toujours le même geste. Oh, j'ai cru qu'il y avait été à côté, Romarinho. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, tu as des conseils pour les séances de tir au but, s'il te plaît? Ah non, mec, j'ai jamais gagné une séance de tir au but depuis le début de FIFA 21, les gars. Et c'est pas une blague, hein. Je les ai tous fait en stream, j'en ai jamais gagné une seule. Je suis maudit. Enfin, je suis maudit, je tire très mal surtout. On va pas se mytho, je tire très très mal. Pour ça qu'il faut à tout prix les éviter. Romarinho! On est là! Allez! Allez, allez! Salut Xavier, comment ça va frérot? Allez, faut réussir à en mettre deux d'avance. Si on met deux d'avance, on est déjà beaucoup plus serein. Mais là, c'est faute ça, monsieur l'arbitre! Il se met devant, il touche pas le ballon, il me retient, c'est obstruction, ça c'est faute, putain! Quand t'arbitres un match, regarde les règles du jeu avant, putain, je sais pas. Moi, j'y connais rien en curling, je vais pas m'amuser à aller arbitrer le jeu, quoi. Oh, ma parole. Apprenez les règles avant de venir sur le terrain. Mon Dieu, premier poteau encore une fois, bien sûr, c'est la base. C'est la base. L'arbitre, il est complètement rond, mais c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Putain. Tout à l'heure, il y avait Péno pour une obstruction. Là, il y a Koufran pour une obstruction. Il siffle rien. C'est quoi ce délire? T'as cru que j'allais être pressé ou quoi, mon gars? Passe la plus éclatée de l'histoire, mais... Yes, I! Come on, baby! Bien joué, Romarinho! Ah, il est rentré 35 minutes, il a fait plus que Vardy en 3 matchs. Impeccable. PSG gagne 1-0 sur un péno pas valable. L'important, c'est de sa rente. Le gameplay est horrible, j'en peux plus. Tous les week-ends, les gars, c'est comme ça. Tous les week-ends, c'est comme ça. Merci beaucoup, Prisme Lucas. Merci beaucoup. Cette barre de profondeur, le bloc est ultra bas. Tu peux pas mettre la pression, c'est terrible. Je suis trop content. J'ai pas été. KB9 Tots, il est trop fort cette match, 12 buts. Bien joué, Zaiden. En vrai, je l'ai joué, Benzema. Je l'ai pas trouvé impressionnant. Par contre, j'ai joué Rashford Tots. Je crois que tout FIFA confondu, je n'ai jamais vu un joueur aussi fort. Vraiment. R9 Prime Moments à côté, je trouve moins bon. Rashford, il a vraiment tout. C'est incroyable. Oh, dommage. Allez. On va appeler un deuxième joueur. On va faire un truc calme, serein. Hop, on revient au milieu de terrain là-bas. Cannavaro, Romarinho. Encore, bats-toi. Romarinho! Incroyable! Oh, aïe, c'est rentré. Ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire non, tu me mets pas remplaçant, je veux retourner titulaire. On dégage Vardy, on revient titulaire, il a raison. Il a raison, frérot. Il faut qu'il revienne sur le terrain, Romarinho. Il me manque. Vous imaginez, j'avais Petros et Romarinho, c'était les deux meilleurs joueurs de mon équipe. Je les ai virés pour mettre Vardy et Tielemans. Sur le papier, c'est censé être 20 fois supérieur.
Et au final, c'est éclaté à côté de deux. Petros, il est trop bon au milieu. Romarinho est trop bon devant. Oh là 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 là, cette facilité! Cette facilité! Aïe 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 aïe! Non, Rashford, il lui manque le 5 étoiles, mauvais pied, je pense que tu voulais dire. Pour chipoter, ouais, mais même sans ça, les gars, même sans ça. Je l'ai affronté tout à l'heure, il m'en a mis 6, quoi. Mais non, Romarinho, c'est bon, super sub. Non, il est trop fort, il est trop fort. Sur le terrain, les gars, je vous ai montré les stats. Le mec, en 25 matchs, il t'a mis plus de 45 buts, il est trop fort. C'est ce que je vous disais, tir au but. Vous voyez, je vous mens jamais, hein. Le jeu, je le connais par cœur. Je le connais par cœur. C'est soit hyper serré, tu vas au tir au but et tu perds au tir au but. Soit il va se passer un miracle et il y a une équipe des deux qui va en mettre 4. Tu vois, c'est ça a ni queue ni tête. Allez, siffle la fin, on l'enterre. On l'enterre. Il a des défauts, attention Romarinho. Il a des défauts, hein, mais il est quand même exceptionnel. Il est quand même exceptionnel. Vardy, le foot birthday est meilleur que le touch. Mais je l'avais testé, le foot birthday, je l'avais trouvé ouf. Je l'avais trouvé ouf. Et là, là, c'est pas possible. Putain, Vardy, sérieux. Vardy, quelle déception. 6 buts, il m'a mis. Je croyais qu'il en avait mis 4. Il a mis 6 buts, Romarinho. 6 buts. Et 6 passes décisives de Sancho. Donc Vardy, en fait, il a pas joué. Ok, on est d'accord. Vardy, il a pas joué. C'est un délire. C'est un délire, Vardy. Putain, quelle déception. Allez, les gars, on peut le faire. Hein. On peut sauver ce Futchamp. Hein. On peut sauver ce Futchamp. Il nous reste 3 matchs, faut en gagner 2. Jeudi, les gars, pendant le jour férié, il y aura le concours de la meilleure équipe qu'on a joué sur Twitter. On le fera ce jeudi. Double 3, à ce stade du jeu, on peut pas jouer avec ça. Tout dépend, tout dépend. En vrai, je fais pas énormément de gestes techniques compliqués, mais gestes techniques, c'est hyper basique, donc c'est pas un problème. Le 3 étoiles, mauvais pied, c'est plus chiant déjà. C'est plus chiant. Après, cette année, les mauvais pieds, c'est moins ouf que l'année dernière, par exemple. L'année dernière, avec un Salah du pied droit, tu pouvais pas tirer. Et là, avec un Salah du pied droit, tu peux aussi mettre des lucarnes. Mbappé, Neymar, Puskas. Oh là 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 là, les équipes. Oh, Cancelo. Cancelo en DC, Wan-Bissaka en DC. La défense, les gars, c'est une défense à plus de 90 de vitesse. 18-9, c'est pas mal. Mon record, c'est 16. Lol. Bah ouais, mais d'habitude, on fait 20. C'est ça le truc. C'est par rapport à nous, quoi. Vardy était dans les loges en train de boire du Red Bull. Mais c'est ça, c'est ça. Allez, ça va être dur. Renato Sanchez qui est dans absolument toutes les équipes. Alors, c'est le nouveau Mbappé Neymar. Allez. Il a l'air d'avoir du niveau, lui. Hein. Il a l'air d'avoir du niveau. Ok. j'ai pas vraiment fait exprès. Mais ça passe, c'est pas grave, allez. Car c'était ma première année que je joue en Ultimate Team. Ah, Zayden, t'as eu de la chance. Dis-moi, c'est SVP, c'est normal, Mbappé et PETM est devenu plus nul qu'un argent noir à 42 vitesses. Dis-moi, c'est vous fait la même chose, SVP. Il a sûrement été nerf à cause des tots. Bon, de là à dire qu'il vaut un mec qui a 42 vitesses, t'abuses peut-être un petit peu. Mais forcément, il a été nerf à cause des tots. Tous les joueurs lambda, les gars, ont été nerf à cause des tots. Oh, bien joué, Fofana. Bien joué. Et Moon, par contre... C'est ça le problème aussi. Je voulais Vardy aussi pour pouvoir mettre Moon à côté. Et au final, Moon, il va rien me servir si je vais à Vardy. Vardy, hein, plus de 95 d'accélération. Ça se fait rattraper crème. Magnifique, encore une fois. Cannavaro, on l'aura jusqu'à la fin de l'année, les gars. C'est pas la peine de regarder à chaque fois dans mes équipes. Il y sera toujours. Il y sera toujours. Il nous a sauvé tellement de futchamps, Cannavaro, que je me vois pas l'enlever, en fait. Même si c'est pas la meilleure version, Balek. Il restera là où il est. Je croyais que c'était Vardy. Du coup, je voulais tirer absolument sur son pied droit. C'était Ken, j'aurais pu tirer pied gauche. Bien joué, Aaron. Tu aussi, des gros matchs, là. C'est ça que je veux voir.
On se bat pour sauver ce Futchump là. Bon, à part Vardy. C'est incroyable. Il me dégoûte. Tiens, dommage. Allez. Tu me conseilles ou pas Koundé Todd? J'ai pas testé les gars, j'ai même pas de nouvelles pour l'instant. Il vient de sortir et j'ai pas encore eu de retour. Un gars qui me fait rire, c'est Lord, il a des expressions. Lui, c'est un pou. T'as ta petite, celle de ta dernière vidéo. Yes. Yes, yes, yes. Bienvenue Marez et merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Et merci aussi à Lucas pour le follow. Right. Salut Mums, comment ça va? On est sur Twitch et YouTube en même temps les gars, je vous le répète à chaque fois. On domine pour l'instant. Mais il faut mettre plus de buts. Parce que voilà, un petit compte favorable et c'est marre. Allez Vardy, s'il te plaît, fais quelque chose. Allez Vardy. Il a même pas fait le petit râteau que je lui ai demandé. Après, il me dégoûte. Bien joué ça. Belle remise dans les pieds. Allez Vardy. Mais putain, t'as 99 de finition, frérot. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a 99 de finition, il rate tous les tirs. Mon peuple, il est chaud aussi. Dommage. Contrôle un peu long. Oh, bien joué, ça. Vardy fait des gestes techniques, mais s'il te plaît. Il n'arrive pas à faire une passe, il n'arrive pas à faire un tir. Il me sort une talonnade là pour faire une passe. C'est incroyable. C'est incroyable. La aide Benzema, ce que j'aime, c'est ses appels et son placement. Ouais, mais il doit être ouf en vrai. Je l'ai affronté, il m'a pas impressionné, mais il doit être ouf quand tu vois sa carte. Après, je pense surtout pour ceux qui aiment les passes, quoi. C'est sûr que si tu fais des tout droits avec Benzema, je pense que même avec son 90 de vitesse, c'est pas dingue. On a dominé tout le match. C'est sa première vraie occasion là qui va se faire. Ça peut vite mal tourner. Allez, Mounts, nickel pour Vardy. Encore bateau. Oh, putain, ça rase, il rate même les passes. Il rate même les passes. Bien joué, c'est serein. C'est beaucoup moins serein ça. C'est pas grave. Bonne soirée à tous, boulot demain. Salut Xavier. Les gens ils font des doublés R1, même tout le temps ils font des doublés R1, c'est incroyable. Avant tu te cassais le cul sur les autres jeux pour apprendre des gestes techniques et tout, tu t'entraînais en arène. Maintenant t'appuies deux fois sur une touche, ça y est le geste technique il est fait. Regardez ça, il tente à chaque fois, à chaque ballon. Aigné. Aigné. Moi aussi, je sais le faire. Ah, c'est fou. Oh là là, qu'est-ce que je suis un joueur technique. Oh là là. Techniquement, je suis incroyable. Putain, ça me dégoûte. Engé. C'est comme lui, hein. On enchaîne les doubles R1. Hein. Apparemment, c'est ce qui est beau. T'es trop technique, désolé, je suis perturbé. Ouais, je sais. Warrior, pire décès que ta test.
pire DC que j'ai testé. Ça dépend. Pire DC par rapport à ce qu'on en attend. Parce que par exemple, Fofana, je pense qu'il est dans le top 3. Hein. Fofana est très bon, mais par rapport à sa carte, c'est décevant. C'est décevant. Vardy fait super bien les doublés. Hein. Vardy, mais qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il fait de bien? Il a 99 de finition et il ne met pas un but pour l'instant. En vrai, celui qu'on parle moins, c'est Mount quand même. Parce que Mount, il est sur le côté. En vrai, lui, par contre, il fait le taf. Il fait le taf de ouf depuis tout à l'heure. Même Kent, hein. Kent, je dis rien sur lui, mais... En fait, quand je dis rien sur un joueur, c'est qu'il fait son taf. Tout simplement. Mais Vardy... Mais même les passes, il les rate. Mais il me... Ah là là, j'ai envie de le déglinguer. J'ai envie de le déglinguer. On a un Fulchon pas sauvé et l'autre, il est pas capable de faire une passe. Putain, 97 de finition, il dépasse pas un joueur. T'avais pas aimé Smalling et Bastoni, si je me trompe pas. Bastoni, ça allait, hein. Bastoni, ça allait, c'était vraiment Smalling. Mais Smalling pas évolué, attention. Smalling pas encore évolué. Après, Smalling, c'est mon... C'était décevant aussi, mais de là à dire que c'est le pire que j'ai testé, non. Non, je pourrais pas te dire qui j'ai le pire. Qui j'ai le plus détesté. Parce qu'en fait, ça dépend ce qu'on en attend de base. Tu vois, parce qu'on a joué avec Rudiger et tout, c'est pas ouf, mais t'en attends rien, quoi, c'est Rudiger. Tu vois, pour moi, c'est dur de juger un DC, il faut le juger par rapport à son prix aussi, quoi. Ça peut craindre, ça. L'action, elle est méga propre. Ça peut vite contre favorable, nickel. C'était full contre favorable, ça aurait pu rentrer. Vardy! Vardy qui marque enfin un but! Incroyable! Fofana touch, je le trouve buff. Ouais, ouais, il est... Enfin, c'est ce que je disais, physiquement et tout, il est intéressant, à la vitesse, il est intéressant. Mais c'est les interceptions, c'est un délire. Le ballon, des moments, il est à un mètre de lui, il arrête, quoi. Sans les gars, je vous fais des reviews maintenant tous les jours sur Twitter, sur tous les joueurs qu'on teste. Et en vrai, je l'ai fait ce matin, je crois, Fofana, ce matin ou hier, je sais plus. Mais j'ai donné mon avis entier dessus, avec ses points forts, ses points faibles. Et voilà, pour moi, il est surcoté, quoi. Il est surcoté. Vardy qui avait marqué un but, peut-être un deuxième, ça serait fou. Vardy le deuxième. Aïe, 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 aïe. C'est un diesel, c'est le temps de le mettre en route. Et 19, les gars. Oh là là, ça serait ouf. Si encore une fois, on arrive à faire 20. Sérieux. Peu importe le moment qu'on est dans la merde. Je vous rappelle, la dernière fois, on était en 10-10. On a fait 20-10. Là, on était en 15-9. Et on peut revenir. Un autre archi de surcoté, Bailey. Non, Bailey, le problème, c'est que tout le monde le joue en BU. Alors que si tu le fais jouer en allié, il est fou. Moi, j'ai Hermoso, il est vraiment pas nul. Je pourrais pas dire qui était le plus mauvais. Rediger est très fort dans la vraie vie. Très certainement, mais dans le jeu, non. Qui était le plus mauvais que j'ai testé, je pourrais pas dire. Honnêtement, ils ont été plutôt bons. On n'a même pas eu besoin de vous deux, les crates, là. Vardy, pour l'instant, c'est quoi? C'est 4 matchs, 3 buts, 3 passes D. C'est pas dégueulasse, en vrai. En vrai, c'est pas dégueulasse. Mais c'est loin d'être dingue, quoi. Ken, 4 matchs, 4 buts, 2 passes D. Ils ont les mêmes stats, plus ou moins. Et voilà, c'est dans tout ce qui rate, surtout, que ça se voit. Tu me donnes soif ou ailleurs? Pourquoi je te donne soif, te colle? Pourquoi je te donne soif? Thielmans, déception aussi. Thielmans, déception. On le fait rentrer souvent sur le banc. C'est con, je pense vraiment de Vardy et Thielman, ça va partir dans un bah, le Liga Santander garanti là par exemple. Il y a de fortes chances que ça parte là-dedans. Ronaldo, Danjuma, Neymar, Gundogan, Sirdorfessien, Mendy, Koundé, Puyol, Tavernier. C'est de la belle équipe. Hein. C'est de la belle équipe, on affronte R9 les gars. R9 face à Vardy, qui est le meilleur des deux? Qui est le meilleur des deux? Qui est le meilleur joueur de l'histoire maintenant? On va le savoir. Un prétexte pour boire. Ah ouais, je me disais aussi. Allez.
Allez les gars. On y croit, on peut aller chercher la 20e maintenant. C'est le moment. C'est le moment d'y croire. On a le droit à une erreur, mais j'ai pas envie d'avoir cette erreur. Yes. Impeccable, Mendy. Tu le dis, hein, si tu... Apparemment, il veut pas jouer, il voulait rentrer au vestiaire. Allez, il y a une belle équipe en face. Faut rester concentré. Oh, magnifique. En même temps, j'ai fait une boulette de fou. Ça aurait pu très mal commencer. Triplé de Vardy pour la 20e. Goldson, archi sous-côté. Goldson, il fait partie des meilleurs que j'ai testés. En vrai de vrai, il fait partie des meilleurs défenseurs que j'ai testés. Le meilleur de tous, pour moi, c'est Cannavaro. Il est trop fort, voilà, c'est comme ça. On a eu de la chance de l'avoir. En plus, on s'y est habitué parfaitement. Le mec, il a fait tellement d'interceptions, tellement de miracles. Cannavaro, pour moi, c'est le meilleur. Mais Goldson, franchement, il m'a impressionné de dingue. Pour l'instant, dans les tots, c'est peut-être le joueur qui m'a le plus impressionné, quoi. Il est fort, le mec, hein. Il est fort. Moi, je l'ai fait à Dinan, il est léger maintenant. Ouais, c'est clair. Forcément, mais tous les joueurs deviennent, au fur et à mesure, perdent de leur niveau. C'est qui? C'est Sierdorf qui prend toute la place, là? Allez, R9. Faut bloquer R9. Faut bloquer R9. Bien joué, Aarons. Putain, Aarons, quel retour! En carte rouge, il était nul! Il était nul! Etienne pour Vardy. Dommage. Dommage, dommage. Et s'il marquait de la tête? Et s'il marquait de la tête, Vardy? Allez, mon petit! Oh, dommage! Oh là 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 là! Il aurait pu tellement briller. Allez, let's go, on lâche pas. Yes. Bien joué ça, Mounts, peut-être. Dommage. Par contre, le touch le plus décevant que j'ai testé, c'est peut-être Danjuma pour le coup. Lui, je l'avais vraiment pas trouvé bon. Là, forcément, il va nous faire mal à ce match. Parce que c'est toujours comme ça, hein. Les joueurs, tu te trouves pas bon quand tu les affrontes. Bizarrement, ils te mettent très mal. Il est bon. Hein. L'adversaire, franchement, il est bon. Il nous fait bien tourner. Il est très bon. Non, pas de compte favorable. Je veux pas me prendre de but là-dessus. Double R1, on l'a vu venir. Allez. Allez, Mons. Non! Tillman, c'est bien. Tu récupères le ballon. Après, derrière, tu vas pas la chercher. Nickel. C'est ça qu'on veut voir dans le foot. C'est ça qu'on veut voir. Juste un mec qui la touche comme ça, puis après il fait une... Allez, c'est bon. C'est bon, tranquille, j'ai fait mon taf. Mais non, Vardy, mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y avait de dur à la faire sur la passe? Qu'est-ce qu'il y avait de dur? Il y avait que dalle. Oh, si on se la prenait derrière ça, j'étais dingue. Putain, mais il est vraiment mauvais dans tous les compartiments, quoi. Ah, c'est dur, hein. C'est très dur à passer, hein. Il est très fort, le mec, hein. Il est très, très fort, hein. Bien joué, Makelele. Putain, heureusement que t'es là, frérot. J'ai cru qu'il allait encore nous la rater, celle-là. Oh, dommage! C'était bien vu. L'action était belle. Nope. Nope. Putain, c'est dur. C'est dur d'aller chercher. J'ai pas réussi à sélectionner mon joueur. Il prend son temps.
prend bien son temps pour nous faire mal. Ouais, il joue super bien. Franchement, il joue super bien. Il joue super bien. Il est très très fort. C'est de réaction tout trop difficile à caler, mais il est à ouf. On va tenter d'aller chercher un run sur le côté. Allez, tiens. Vardy, toujours le même. Toujours le même, tire à tout. Pourquoi c'est Makelele qui tire les corners là? Sans plus pisser lui. Quand il a le ballon, il est super dangereux. Hein. En plus, là, on approche de la 45e, ça craint ça. Ouais, ça craint vraiment ça. Allez. Bien joué, tiens, allez. Boum, Sancho, juste avant la mi-temps. Allez, c'est bon ça. Essien, il est bon, je l'ai testé vite fait, il était pas mal. Une bonne icône attaquante pour environ 150-200 cas forte. Te fais pas chier à prendre une icône à ce prix-là. À ce prix-là, prends un tots qui fera largement l'affaire. En vrai, on s'en sort très bien parce que faut pas se mentir, il est meilleur. Pour l'instant, il est meilleur. Peut-être qu'on va réussir à retourner un peu le match, mais pour l'instant, il est meilleur. Quand il a le ballon, il est trop dangereux. Il est dangereux de fou. Il arrive bien à garder le ballon. Défensivement, il est grave solide. Après, j'ai l'impression que son Puyol, il jouait sur le côté. C'est pour ça, c'était surprenant quand même. Il y a peut-être quelque chose à faire sur le côté gauche. Moi, je joue souvent côté Sancho, du coup. Il y a sûrement un truc à faire côté gauche. Et là, il est trop solide quand il fait ça. Il est solide de fou quand il fait ça. Quand il garde le ballon, là. Ce scénario-là, il est juste trop fort, quoi. Quand il joue en, là, à faire tourner comme ça. Vardy, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Hein. Putain. Ça aurait pu être dangereux si j'avais eu un minimum de contre. Allez, là c'est dangereux. Là c'est dangereux, c'est un 9. On reste en place. On se jette surtout pas. Allez, t'es un Navarro, tu le bouffes, t'es meilleur. Allez, Monskent. Ah putain! Il en fait un peu trop. Il en fait un peu trop. Il y a quelque chose à faire là. Allez, Moon pour Puyol. Voilà, je savais qu'il y avait un côté plus faible. Cours! Non! C'est horrible! C'est horrible. Ou alors j'achète Koundé que je peux mettre dans ma team ou j'achète Golson que je me remplace en, mais je mets une pause pour faire Golson. T'achètes Koundé dans ce cas-là. Tu achètes Koundé dans ce cas-là. C'est vraiment dommage de faire un remplaçant juste pour mettre un remplaçant d'essai, quoi. Vardy! Oh là là, vous l'avez tellement sous-estimé dans le chat, je vous ai vu. Je vous ai vu le sous-estimer. Personne s'attendait à un tel geste. Aïe, 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 vous le critiquez depuis tout à l'heure, je vous vois. Je vous vois, là. Oui, Vardy, c'est pas faire ça et c'est pas faire ci. Regardez-moi-le. Regardez-moi-le, ce magicien. Il vient d'écraser un 9, là, en une action. En un corner. Oh, magnifique. Ah, Vardy se craque.
Comment vous l'avez critiqué? Aïe 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 aïe. Comment vous l'avez critiqué, ce magicien? Il a réussi un truc, il a perdu tous ses autres ballons. C'est tellement pathétique. Mais bon, il était magnifique son but. En vrai, c'est le plus beau de mon fut jump, je crois. C'est le plus beau de mon fut jump. Il est incroyable. Il est juste incroyable le but. Ça sauve un peu son image. Allez, on jette pas, tranquille. Faut pas qu'il revienne au score. Voilà! Makelele est toujours présent. L'ouverture pour Moons maintenant. Et le trou, le même trou que tout à l'heure, côté Pouilleul. On a vu le départ de Kent. On a vu, c'est magnifique! Et 2-3! La 20ème, elle est là! La 20ème, elle est là, les gars! Elle est là! On ne l'attendait plus! Elle est arrivée! La 20ème, et encore une fois, un sauvetage! Oh là 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 là! C'est incroyable, à chaque fois on y arrive, à chaque fois on s'en sort, les gars. À chaque fois on a une chatte, mais pas possible. On a une chatte, pas possible. Vardy, un but. Mais quel but. Sancho, deux buts. On n'avait pas eu besoin de faire entrer les remplaçants. Magnifique. Vardy, c'est le choupeau Moutine du Wire. C'est exactement. Exactement, mais quel but. Oh là 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 là. On va le revoir. On va le revoir pour le plaisir. Donc au final, tu gardes Vardy. Non. Jamais de la vie. Il est éclaté, sa race. Mais regardez-moi ce but, par contre. Oh, aïe, 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 aïe. Elle est parfaite. En vrai, de vrai, elle est parfaite. Oh, aïe, 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 aïe. On peut pas zoomer, là. C'est quoi ces vues de merde? Oh là 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 là, quelle détente, regardez. Regardez le pauvre défenseur là qui peut se prendre un Wamashi direct pleine tête. Et plouf! Ça fait penser à Olivier Tom. Ça fait penser à Olivier Tom. Magnifique. Magnifique. Franchement, c'est une belle retournée pour un mec qui va finir dans un DCE. C'est quand même un beau geste. Et il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître que c'est quand même un beau geste pour un mec qui va finir dans un DCE. Aïe, aïe, aïe. Et encore une fois, les gars, les 20 victoires, on assure l'essentiel. On assure l'essentiel. C'est bien, en vrai, je suis content. Bon, petit résumé, les gars, du coup, de ce jump. Gomis, il était très bon, mais il a pas mal de défauts. Le gros coup de cœur, c'est Petro, c'est Romarinho, très clairement. C'est dommage qu'il n'y ait pas un défenseur droit brésilien qui soit meilleur que Bruno Pérez, en tout cas dans le rendement, parce que ce serait hyper cool. Mais je compte sur Mariano de la Ligue Turque. J'espère qu'ils vont sortir un Mariano. S'ils sortent un Mariano, franchement, ça m'arrange grave. Parce que comme ça, je remets Petros et Mariano. Et Romarinho, pardon. Et on se fait un beau truc. Bon, Kent, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, c'est le joueur cheat par excellence. Hein. C'est, on connaît. Hein. 5 étoiles mauvais pied, 5 étoiles geste technique. Là, il a même pas le collectif. Sancho, on connaît. C'est la Rosta. Depuis le début de l'année, il est incroyable. Vardy, bon. 5 matchs, 4 buts, 4 passes D. Niveau stats, c'est fou. Niveau stats, c'est vraiment pas mal. Après, dans le jeu, tout ce qui nous loupe, sa qualité de dribble qui est vraiment pas très bonne. Le 99 de finition à passe mytho, il est inexistant. 99 de placement offensif, le problème c'est comme il a élevé en défense, souvent il redescend et du coup il est hyper mal placé devant. 99 d'agressivité, on l'a pas vu. Le jeu de passe très moyen. Voilà. Après, pour le reste, la défense, vous connaissez. Fofana. Disons que, en gros, en carte rouge, là, mon kiff, ça serait d'avoir soit Varane, soit Koundé. Et on le mettrait à la place de Fofana. Comme ça, ma défense, elle est quasiment finie. Aaron, il a été exceptionnel. Je l'avais en carte rouge, je l'ai balancé dans un DCE. Je regrette à fond, parce qu'en vrai, il a été exceptionnel. Mais de toute façon, j'aurais pas pu le garder, parce que comme je vais mettre Petros et Romarinho, ça va être très compliqué de le garder. À moins qu'il nous sorte un français tot, et du coup, je pourrais mettre Romarinho là, machin, ça arrangeait un petit peu, mais ça va être compliqué. En vrai, voilà, plutôt une bonne équipe. Et Moons, Tielemans, avant. Tielemans, hyper décevant. Tielemans hyper décevant, il partira dans le même DCE que Vardy, le duo de Leicester, là, il va se casser de là. Et du coup, pour ce qui est de Moons, exceptionnel, j'ai rien d'autre à dire. 5 matchs, 3 buts, 0 passe D, ok, mais bon, il joue sur le côté où je joue le moins. Et à chaque fois qu'il avait un ballon, quasiment, il était bien réussi, son geste était bien maîtrisé. En gros, je pourrais garder Vardy juste pour mettre Barnes là. Et faire une attaque Vardy-Barnes,
Voilà. Mais honnêtement, j'ai même plus envie de jouer avec Vardy. J'ai même plus envie de jouer avec Vardy. Donc on verra bien cette semaine ce qu'on peut faire. Je pense qu'on verra le retour de Romarinho et Petros. Pour l'instant, je vais les garder bien au chaud dans le club. On attend aussi de faire un fut champion avec la Ligue 1 parce qu'on a Boulaya et Kin. Et je les ai fait exprès pour ça, hein, pour pouvoir faire la Ligue 1. Donc on espère qu'ils seront bons aussi. On espère que cette équipe sera bonne. La Ligue 1, ça me paraît très compliqué à faire. J'espère que les Tuds vont pas être trop dégueulasses. Qu'il va y avoir un petit potentiel quand même, surtout au milieu de terrain. Et voilà pour le reste, les gars. Honnêtement, c'est pas mal. On va pas se mytho, c'est pas mal. Encore une fois, on fait 20 victoires. Toute l'année, on a fait 20 victoires, sauf une fois. On a fait plus de fois 22 pour l'instant que 20, même si ces dernières semaines, on fait souvent 20, mais on joue plus du tout. On joue plus du tout, donc honnêtement, pas mal. Kin, j'ai été très déçu. Jonathan David, largement meilleur. Jonathan David, on l'a eu plein de fois cette saison, les gars. On a fait plein d'équipes avec lui. D'ailleurs, Jonathan David, tu auras sûrement une carte TOTS. Et là, ça va être intéressant. Là, ça va être très intéressant d'associer Jonathan David avec Kin. Parce que Jonathan David, le 5 étoiles mauvais pied, ça peut faire la diff. Boulaya, c'est pas mal. S'il pouvait nous sortir un petit Sar de Metz, là, pour accompagner tout ça devant, ce serait cool. Milieu de terrain, j'aimerais bien un petit Verratti, puis un mec un peu plus défensif. Et voilà, pour le reste, la défense, il me faut juste un défenseur droit. De toute façon, ça change pas énormément de choses. Ce qui est sûr et certain, les gars, c'est pour Mendy, Makelele, Cannavaro, ça bougera pas. Ça bougera pas, ça restera là où tu sais. Sancho ne partira jamais, il restera toujours remplaçant. Comme Romarinho, d'ailleurs. Soit il sera titulaire, soit il sera remplaçant. Et Petros, pareil. En gros, les trois là, avec Sancho, ils bougeront jamais. Quoi qu'il arrive, ils seront sur le banc au titulaire. Ça, il est trop essentiel quand il rentre sur le terrain. Mendy, Makelele, Cannavaro, c'est parfait, honnêtement, rien à dire. Paf, Matassar, ça m'étonnerait, il n'est même pas dans le fut. Ouais, mais on sait jamais. Tu sais, les Tots, des fois, ils tirent des mecs que t'as jamais vu avant. Donc. Voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce live. Merci en tout cas, Marez, pour le follow. Parce que je t'ai pas remercié sur le coup, mais je t'ai pas vu parler non plus, je crois. Donc voilà, merci à tous, les amis, d'avoir regardé ce live. C'est vrai qu'on a fait 5 matchs par live, c'était pas exceptionnel. Mais bon, on n'a pas énormément de temps pour ce FIFA 21. En attendant, encore une fois, on a réussi à faire les 20 victoires. Encore une fois, on a gagné. Merci à tous. On se rejoint jeudi, les gars. Jeudi pour faire le fameux grand concours de la meilleure équipe. Alors, c'est sur les anciennes versions avant TOTS. Donc, c'est pas la peine de changer vos équipes pour avoir des TOTS. Parce que toutes ces versions-là seront éliminées de la compétition, quoi qu'il arrive. Voilà. J'espère que vous avez apprécié, les gars. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, n'hésitez pas à vous follow sur Twitch, tout ça les gars. Et à plus, bonne soirée à tous.